Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de jeux vidéo. Et aujourd'hui nous allons faire le Fire Emblem Three Houses qui est donc sorti à la fin de ce mois de juillet. Donc on va jouer en débutant parce que, pour être honnête, j'ai voulu essayer vite fait sur la 3DS mais j'ai pas vraiment eu le temps. Et du coup, je connais pas trop ce genre de jeu. On va quand même se mettre en classique. Non, on veut jouer en local, si c'est possible. Alors, je suis complètement néophyte en matière de Fire Emblem Tactics. Donc, c'est du tactical. C'est parti. Do you recall the Red Canyon? You'll die! 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 You took everything that I loved! He's gone now, Mother. What could have brought you here? Alors, bon, petite présentation très animation japonaise. Comment as-tu fait pour venir ici? C'est très mal élevé de m'interrompre en plein repos. Oui, cela relève de la plus grande incorrection. Bon, maintenant que tu es là, approche-toi pour que je puisse te voir. Alors, niveau graphisme, on n'est quand même pas sur du... sur une grande télé HD. On n'est pas sur du ouf, hein. Ça scintille de partout, là. Ça...
Ouais. Alors dis-moi, qui es-tu au juste? Je suis un fantôme, un démon. Ouais, je suis une pauvre âme mortelle. Je vois, alors j'ose espérer que tu as un nom, donne-le-moi. Bah, moi, c'est Gwenju. Hein? Quoi? Ah! Ah, pardon! Ah, Bilis! Bilis! Ah, bah, Bilis, on va garder Bilis. Mince. Bilef. On va garder. J'avais pas vu. Autant pour moi. Ah non, mince. Oh, oui, c'est correct. J'ignore si je m'habituerai un jour à la sonorité des noms humains. D'accord. En tant qu'être humain, tu dois avoir une date de naissance. Quel jour et quelle lune ont vu ta mise au monde? J'en sais rien, man. On va mettre un truc au pif. Ouais. Le 14 août. Ah bon, c'est quand même un sacré hasard parce que j'ai fait au pif. Ah, me voilà envahi d'un sentiment étrangement familier. Je crois que c'est l'heure d'une autre sieste. D'accord. Bah, va te coucher. Ah, mais les pics, ça pixelise, hein. Il est presque temps de commencer. Graphiquement, on est c'est pas ouf, hein. Sur une grosse télé, alors peut-être ça rend moins en portable. De toute façon, si je le fais, je le ferai en portable, hey, vous inquiétez pas. Time to wake up. You having that dream again? Ouais. J'ai rêvé d'une jeune fille. D'accord. Tu me l'as déjà décrite. Je ne crois pas la connaître. D'accord. Mais n'y pense plus pour le moment sur un champ de bataille. Mieux vaut ne pas rêvasser. Les mercenaires comme nous risquent leur vie au quotidien. Il faut que tu te concentres sur le terrain, sinon tu ne feras pas long feu. Ah, ça scintille, hein. Bien, il faut qu'on y aille. Notre prochaine tâche sera au royaume. Je t'ai déjà dit, le royaume n'est pas à côté. Il nous faut partir dès l'aube. D'accord. Bon sang, tout le monde nous attend déjà dehors. Gérald, monsieur, excusez-moi de débarquer comme ça, mais on vous demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardonnez cette tension. Nous ne serions jamais permis de vous déranger si la situation n'était pas aussi grave. Mais qu'est-ce qu'une bande de gamins comme vous peut bien vouloir à une heure pareille? Nous sommes poursuivis par un groupe de bandits, j'espère que vous accepterez de nous aider à les repousser. Des bandits par ici? Ça m'étonne. Il dit la vérité, ils ont attaqué notre camp alors que nous nous reposions. Nous avons été séparés de nos compagnons et nos ennemis sont en surnombre. Ils en veulent autant à notre vie qu'à notre bourse. Votre calme est impressionnant vu la situation. Je attendais cet uniforme. Nous avons vu les bandits tout près du village. Et ils sont très nombreux. J'imagine qu'ils nous vous ont suivis, peu importe. On peut abandonner le village. On peut pas. Allez, on y va, j'espère que tu te sens d'attaque. D'accord. Ouais, les graphismes, c'est un troll de... C'est bizarre. Allez. Sauvegardez votre progression, oui. Alors, apparemment, pour faire une aventure avec une classe, il faut 80 heures pour ce jeu. Et je crois avoir lu qu'il y a 3 classes. Donc, autant vous dire que... On est bien. Ah, voilà, c'est les premiers combats. Donc, du tactical. Donc, nous, on est... Ça scintille, moi. Je trouve que ça scintille. Face du joueur. Alors, occupe-nous de ces bandits avant qu'ils n'envahissent le village. D'abord, éliminons les ennemis en première ligne pour briser leur élan. D'accord. Sélectionnez une unité, puis placez-la juste à côté d'un ennemi. D'accord. Quand votre unité est suffisamment proche d'un ennemi, le menu des commandes s'ouvre pour l'attaquer. Sélectionnez attaque, puis l'arme. D'accord. Alors. Lui, il a une épée. Lui, c'est un arc. Bah, du coup, l'arc, il peut tirer. Et les autres, ils sont où? Ils sont où, les autres? Ça, c'est pas mal. Avoir tout de suite le truc, c'est vraiment pas mal. Si je prends lui, là. Les arcs sont des armes de longue portée. Leur précision baisse en fonction de l'éloignement de l'ennemi. Par ailleurs, ils sont particulièrement efficaces contre les unités volantes telles que les chevaliers Pégase et les chevaliers Wyvern. D'accord. Ready and willing. Si je le mets là,
Attaque. Arc. Oui. Paf. Ça fait mal, hein. Ça picote. D'accord, on gagne de l'XP. Il est impossible de faire réparer votre arme pendant une bataille, alors gardez un œil sur leur durabilité. Une fois cette dernière épuisée, l'arme se brise. Vous pouvez l'utiliser, mais les dommages et la précision seront réduits et les ennemis effectueront plus de double frappe. D'accord. Donc, faut faire gaffe aux armes. D'accord. Donc, X, on peut afficher les détails. Donc, il est à 39-40. Donc, lui, il peut plus tirer, je suppose. Il a déjà passé son tour. Ok. Donc, on va en prendre un autre. Elle. Stay focused. On la met ici, du coup. Bah non, je veux pas parler, moi, je veux le taper. Bon, il est mort. Il est calmé. Ok. D'accord, pour ouvrir le menu de cartes. D'accord, c'est donc le menu. Déplacez le curseur sur une case où il n'y a pas d'unité en attente d'ordre, puis appuyez sur le bouton A. Ce menu vous permet entre autres de suspendre la partie en créant un signet ou de consulter le guide. D'accord. Phase de combat. Alors, une fois que toutes vos unités ont agi, la phase joueur prend fin, laissant la place à la phase ennemie pendant laquelle vos adversaires peuvent agir. Vous pouvez aussi mettre fin à la phase joueur en sélectionnant fin dans le menu carte. D'accord. Donc, eux, ils vont aller où au max? Ils vont dans les armes, là. Ok, ok, c'est pareil. On peut pas dézoomer. Ah, mais ils sont combien? Ok, on va d'abord s'occuper d'eux, hein, y a que. Ouais. Du coup, moi je vais avancer. Je vais avancer jusque là. Et objet, c'est quoi? D'accord, on peut prendre des potions et tout. On va attendre. Et lui, bah, il va aller là. Attendre. Et le cheval, non? Et lui là? Le terrain a souvent une influence sur le caractère ici. Des unités, par exemple, une unité qui se trouve dans une forêt verra son esquive et sa défense augmentée. Ok. Pour mettre toutes les chances de votre côté, n'hésitez pas à placer vos unités sur des cases bénéficiant d'un effet de terrain. Ok, ça marche. Ok. Donc par contre, eux, ils peuvent aller ici. Donc le top, ce serait de le mettre là. Je peux pas aller là. Ah ok. Alors, attends. Du coup, hop. Est-ce qu'on peut dézoomer? Ça, c'est toutes les cases où ils peuvent aller. Ah oui. Ah, c'est pas mal ça. Avec le R2 là. Comme ça, vous faites pas de bêtises. Bon bah, il me dit d'aller dans la forêt, mais il est gentil, mais je peux pas en fait. Ça, c'est qui? Ça, c'est l'arc. Je vais mettre ici. Non, attendez. Je vais le mettre devant. Ah, c'est franchement bien pratique. Ils peuvent pas aller sur le... Attends. Attends, oh mince, pardon. Attends. Non, mais lui. Lui, là. Lui, là. Lui. Je veux qu'il aille là. Parler. Attends. Oh, y a plein d'options. Hein. Convoi, machin. Elle pourrait aller là, mais si je l'amène ici, lui... Mais quelque part... Je peux l'amener ici. Échange, c'est quoi? Ah, on peut échanger avec un mec? Ah, c'est pas mal. Qu'on voit, c'est quoi? Je sais pas. Ouh, il y a beaucoup d'options. Ouh, y a... Ah mince. Ah, je voulais qu'elle attende là. Ok. D'accord. Outre les forêts, il existe toutes sortes de types de terrains. Ok. Pour voir les effets des terrains, il vous suffit de placer le curseur dessus en appuyant sur le bouton X
sur une case où il n'y a pas d'unité, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les informations relatives au terrain des économies. D'accord. Et du coup, toi, tu joues pas, toi? D'accord. Toi, tu sers à rien, quoi. Allez. On va les laisser s'approcher. Ah bah, il a pas joué? Les capacités sont des coups particulièrement puissants que les unités peuvent apprendre. Elles usent davantage de la durabilité d'une arme, sauf indication contraire, ne permettent pas de double frappe. D'accord, en augmentant son niveau de talent à l'épée ou à la lance, par exemple, une unité peut apprendre deux nouvelles capacités liées à l'arme. C'est ça qui est bien. Correspondante, les talents science et foi, quant à eux, ne permettent pas d'apprendre des capacités, mais différents types de magie. D'accord. Il y a de la magie et tout. Donc c'est... toi, si je te mets ici, tu peux pas tirer. Attends. Alors du coup, eux, ils peuvent avancer. Ok. Elle est là? Ah mince, j'ai bloqué le passage. Oh, benet que je suis. Oh, mais j'ai pas envie tellement de rentrer dedans, moi. Je vais faire un coup d'attente pour voir. Parce que, ouais, je vais faire un coup d'attente. Ok, on va du coup essayer. Mince. Fin, d'accord. Je fais un petit coup d'attente, voir s'ils bougent, parce qu'ils ont pas l'air de vouloir bouger. Ah, ils veulent pas bouger. D'accord. Ah oui, on voit qu'il peut lui tirer dessus, vous voyez. Donc je vais aller là. Capacité. Tir travaillé. Avec l'arc de fer. Sur ce gars-là. Ouais. Ah, donc là, j'ai utilisé une capacité. Ah oui, il est quasi mort, lui. Par contre, les autres sont trop loin, quoi. C'est très mal joué, en fait. Je peux pas avancer? Pourquoi je peux pas avancer? Qu'est-ce que c'est le délire, hein? J'ai pas compris à quoi ça me servait. Là. Je peux pas avancer dans cette forêt là. C'est quoi le délire? Pourquoi je peux pas aller chez eux? Bah si. Ok, bon en fait, on peut traverser la forêt mais que de 1. Ah, il y a un caillou, c'est pour ça. Bon, ça va être une boucherie la phase ennemie là du coup. Et ils vont m'attaquer à 50. Et il est mort. Bon, alors, je crois que j'ai bien fait de lui mettre la hache. Ouf. D'accord. Du coup, moi je vais. En attaquant un ennemi qui se trouve à portée d'attaque d'un, vous allez vous déclencher une attaque en chaîne, d'accord. Pendant une attaque en chaîne, les unités bénéficient de davantage de précision et d'esquive. De plus, si elle est fait intervenir à certaines combinaisons d'unités, elles augmentent également les dommages, d'accord. Bien utiliser les attaques en chaîne peuvent vous donner l'avantage lorsque vous faites face à de puissants ennemis. Elle augmente également l'affinité des unités impliquées, d'accord. Ils deviennent copains, c'est mignon. Toi en archer, donc je veux que tu me tires sur celui-là. Non, je veux pas que tu bouges, je veux que tu restes là. Ah non, je veux que tu bouges alors.
Mais non. Ah, j'ai merdé. J'ai merdé, hein. J'ai pas tout pigé, là. Ah, je l'ai raté. Abusé. Mince, je l'ai raté. Pourquoi je l'ai raté? Ah, puis lui, il va être trop loin, du coup. Là. Lui, il me sert à rien, il avance à rien. Là. Ah, du coup, il va m'attaquer, lui. Eh ouais. Oh, mais c'est moi qui lui fais plus mal, alors c'est assez bizarre. Ah, hein. Oh, on le finit pas? C'est dommage. On m'aurait bien aidé. Il y a une poste de guet, là. Faut qu'on aille le chercher, là. Il est mort là. Ouais. It was a good try. C'est cool. On a gagné un niveau. Donc voilà, il faut augmenter les capacités, il faut augmenter vos bonhommes. En sélectionnant un objet via le menu de cartes, vous pouvez par exemple utiliser une potion pour rendre les points de vie à l'unité ou changer l'arme dont elle est équipée. D'accord. Enfin, ça, on a vu un B. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a, il y a une tour de guet là. Et du coup, j'y mets très bien un archer. Ok. Bon sang, qu'est-ce qu'ils font dans le village, ces mercenaires? Faut qu'on zigouille tout ça et puis ça. Nya, nya, nya. Alors lui, il a des thunes. Lui, il a des thunes de ouf. L'icône d'objet affiché à droite d'unité ennemie indique que vous pouvez obtenir un butin en éliminant l'objet en question. Est affiché en vert comme... D'accord, ça on avait bien compris, on n'avait pas besoin de lui. On va attendre. Est-ce qu'il peut monter lui? Ah non, je peux pas aller dans ce village. Ok. Ah, du coup, lui, je vais l'avancer là. Je vais l'avancer ici. Et puis je vais faire une fin. Voilà. On va voir ce qu'ils vont faire. Ah oui, il m'agresse ça direct. Ok, j'aurais peut-être pas dû aller là-bas alors du coup. Ah ok. Quoi, tu serais pas Gérald, le briseur de l'âme? Ah si. Qu'est-ce qu'un mercenaire de ton calibre fiche ici? C'est moi qui devrais me plaindre, je me retrouve embarqué dans ton cirque. D'accord. Un Gérald, il est vénère. Ah, il est nul par contre. Il est nul, Gérald. J'en veux pas de ce mec. Foutez-moi le dehors. Combien te zigouiller sur le champ? Mais ouais, mais t'as raison. Sauf que t'es trop. Oh, mais il me bougera de tous mes coups! C'est ouf! Le regard à vue, dégage là. D'accord, mais oh, oh, oh. Ah, là, on l'a tapé. Je sais. Mais du coup, je pense que les autres vont être trop loin, quoi. Ah si, c'est bon. Oh, mais on rate tous nos coups! C'est incroyable! On va perdre Dimitri. En même temps, je l'aime pas, ce blondinet. Oh, c'est pas bon, là.
Ah, c'est pas bon. J'aurais peut-être dû lui mettre un... une potion. Ouais, j'ai déconné en fait. C'est vrai, j'ai pas pensé à mettre des PV aux gars quoi. Les mecs qui servent à rien, ils pourraient leur mettre des PV. Ah oui. Et ils m'ont tué, Billet. Ah bah, ayant. J'ai perdu. Ah, ils m'ont tué, Billet. Bon, en fait, faut faire très attention à votre personnage principal. On peut dire que j'ai fait n'importe quoi pour une première partie. Mais j'espère que vous avez kiffé cette découverte de jeux vidéo. Si c'est le cas, vous me lâchez un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve bientôt pour les nouvelles vidéos. Salut tout le monde.